Salut tout le monde, RCGA68 donc pour les premiers tours de roue du X-Max 8S, Luc qui est là, regardez-moi voir s'il n'est pas beau cet engin. Alors dans l'atelier je préférais la carreau bleue de l'ancien, mais là maintenant l'extérieur avec la clarté du jour, c'est franchement sympa cette petite carreau. Et on a le pilote qui est par là-bas, salut. Donc c'est pas une course, on y va cool. Parce qu'il y en a de nouveau qui vont râler, ça va pas assez vite. Ah ouais, ouais. Ouais, t'es là, c'est bien, tu peux te défouler, quoi. Il y a de la place pour apprendre à s'en servir. C'est le truc, donc si tu roules assez vite et tu vois que le cul il décolle un peu plus haut que l'avant, tu remets un petit coup de gaz pour le plaquer, quoi. Sinon tu pars, c'est sûr que ça part en cacahuète. Ah yes, loupé. Bon, le mien c'est pas grave, il a déjà vécu. Encore les barres. Ouais, justement, on fait un boulot. Là, quand on était un peu loin, j'avais pas vu le petit angle. Ah. Ah, on sent les habitués du crawler. Presque. C'est monté quand même, hein. Alors, première impression? Ouais, bien. Ça passe partout. Ah, première grosse gamelle. Et moi j'ai les couilles accrochées. Ah. Thank you.
Joli. J'avais remarqué, j'ai vu détaler comme à la balade. Voilà, ils ont pelleté par là, on va voir si j'ai encore la vue. Parce que l'autre jour là, t'es arrivé. Ouais, là ça peut. On va passer 2-3 fois pour la bouée. Ah. Voilà, comme j'ai des petits trous, tu vois, les suspensions en bas. Ouais. C'est plus délicat. Les sorties du carton là, ils passent tranquille. Je vais passer 2-3 fois et après la pente sera plus douce. On va se balader par là-bas derrière, il y a des grosses ornières aussi, tu veux. Parce que j'ai vu que tu as mis les chaussures adéquates. Ouais. D'un coup, on est venu avec la fripouille. Ouais. Et il avait plu la veille, mais le terrain n'était pas trop dégueu, tu vois, il était collant. Enfin, tu vois encore les empreintes. Il était collant, mais quand tu restais sur place, 2-3 minutes, en fait, t'étais sucé dans le sol. Et lui, il était venu avec les baskets. Après, il y a de quoi crapouiller un peu en passant dessus. Là, c'est la version un peu plus dure. Et ça, c'est le mur qui est monté sur la vidéo la dernière fois. Tu vois, quand t'es devant, c'est quand même. Ouais, ça, c'est pas tout. Non, après, il faut avoir un peu de notion d'équilibre, comment repartir, comment revenir. Hein. Ouais, bon après, comme moi j'ai l'arceau aussi, tu vois. Ok, Weldon, je crois qu'il ouvre à 9h. Ah oui, ça va 8h. Ouais. Ah, ils ont tout aplani. Tu sais, il y avait des sacrés. Voilà, c'est de la gadoue, on peut me fier. Ah, ça va. Ouais, du coup c'est moins bien. Oui, il faut faire gaffe avec les branches là, de pas. On va se remettre par là. On va se mettre par là parce que là comme il y a des branches partout, ça c'est. Des fois elles sont tranchantes en fait. Pas que tu t'amoches un pneu là. Ah, c'est top parce que la terre elle est bien molle là. Faut que je pense emmener la pelle pour la prochaine fois qu'on vient rouler avec. Joli, joli. Je l'ai sur la caméra. Excellent. J'ai freiné hein. C'est bien, c'est quand t'es haut comme ça là, quand tu vois, là tu vois que ouais. Il se traîne pas en fait. Tu vois, mine de rien. Moi, je préfère clairement les pneus d'origine, point de vue. Sensation de conduite.
Ouais, comme dit, le seul avantage, c'est quand t'es dans un endroit où c'est vraiment craignos pour les pneus, t'es tranquille avec ça, quoi. Parce que pour découper un pneu comme ça... Ah, j'allais dire. Et alors, en plus, tu as sorti du carton, la suspension, et tout qui est bien réglé, quoi. Il absorbe la moindre bosse, c'est nickel, hein. Ah, il est trop fier, hein. J'ai fait une petite dédicace sur la vidéo du slash pour monsieur Laurent Sertal. Ah bon? Ouais. J'ai eu encore un run puéril en tout un marché. Ah, ça n'a pas marché. Il y a de quoi faire là. Bon, attention, je vais descendre l'autre sens. Je reviens. Ça, c'est génial. Un peu les sauts. Si tu veux, ouais. Tu veux les faire en bas ou tu veux poser une rampe là où c'est mou pour atterrir en... Oh, en bas. Ah ouais. C'est vrai que là, ça décolle bien aussi, hein. Ouais. Joli. Donc après, ce qu'il faut viser dans les sauts, par contre, c'est de pas atterrir sur les quatre roues en même temps. C'est ce qu'il y a pire pour la transmission, puisque tu bloques tes quatre roues en même temps. Ah oui. Donc si tu as un véhicule et un slipper, ça va, parce que t'as ton slipper qui peut glisser. Mais sur un véhicule qui a un diff central, si tu atterris sur un train avant l'autre, oui. La puissance peut s'évaporer le temps que tu arrives. Et l'idéal, c'est bien sûr, si tu arrives à faire un tout petit peu de travers, une roue après l'autre. Parce que là, tu tapes, la puissance passe à gauche, elle passe derrière. Et tu te poses comme une fleur et le moteur, lui, il a le temps de ralentir. Parce que quand tu arrives avec les 4 roues secs à la fois, le rotor, il a arrêté net. Ouais, en fait. Je comprends. Il faut corriger l'assiette, mais pas trop. Ouais, c'est ça. Ça rase bien. Ouais. Et là ça glisse, hein. Mais sur les trucs ça glisse pas, tu pars. T'as bien le temps de le voir monter en fait et tu peux rester tranquillement sur deux roues. Tu vois. Et la plein en fait quand ils font du deux roues, ils mettent gaz à fond, et le machin il va trop vite sur les roues arrière et après il se promène sur les roues arrière ou il part en catapulte, quoi. Alors que si tu le lèves doucement et tu le poses, et au moment où tu es posé, tu restes, tu joues avec l'accélérateur pour le garder, tu peux faire. Bah, l'autre jour j'avais fait la ligne droite là. J'ai fait toute la rue hein, sur deux roues. Ah oui, ouais, les petits c'est pour le slash. Parce que sur les gros c'est un peu trop pour lui. Si on les met deux par deux, on s'en est tranquille pour viser. Oh, où tu veux. On peut en mettre deux d'un sens et deux de l'autre. Comme ça on... Ouais.
C'est plus facile pour oublier aussi. En fait, si t'es côte à côte, t'es tranquille quand tu reviens. Tu vois, on se met à un endroit et on a la vue sur tout, quoi. Puis après, on verra si au cas où ça glisse, on le mettra dos à dos. Voilà, comme les batteries sont assez derrière, de toute façon le point d'équilibre il est bien foutu, il vole. Si tu lâches en l'air, en fait il reste. L'erreur à pas faire, c'est de lâcher un coup sec en l'air en fait. Tu décolles et quand tu arrives au point le plus haut, en fait tu restes sur l'accélérateur jusqu'au point le plus haut, et là tu lâches en douceur, et l'engin il reste bien en vol et puis il se pose comme une fleur. Si tu lâches trop tôt, il va piquer du nez, et si tu restes trop, ou si tu arraches tes gaz à la fin, il va lever. Le truc c'est prendre une vitesse constante, 30% des gaz et tu restes à vitesse constante sur le saut. Et après tu gardes le reste pour corriger quoi. Là, je vais juste couper mon bruiteur alors. Ça remonte un peu les moteurs électriques gueuler. Ce que j'aime bien aussi. Il y a des enjeux où c'est infernal comme les moteurs ils bug. Tu vois, malgré la transmission tout métal, il est vraiment silencieux. Hein. Parce que les 1/5 en transmission métal, je veux te dire, ça t'entends plus que les pignons. Hein. C'est atroce. Hein. D'ailleurs, à ce compte-là, ils ont fait le Lozi DBXL. Ils l'ont fait en. Ils vont le sortir en brushless là. Ah bon? Ouais. Mais avec un. Toujours la même erreur, un 800 kV et en 8S. Un engin 10-12 kg. Ils auraient mieux fait de monter, descendre les kV et de passer à 12S. Tu vois. Tu mets deux lipo 6S et puis. Ouais. Parce que l'autonomie à 800 kV, à 160-200 A de consommation, ça vole pas loin quoi. Et maintenant tu vois, reste une fois sur les gaz jusqu'au point plus haut. Parce que là j'ai coupé, t'as vu quand tu coupes il repique et maintenant je vais rester accéléré en fait. Ah, suffit pas de taper. Bon, après moi j'ai le. Mais t'as vu avec le 1200 kV là pour corriger l'assiette, c'est magnifique. Avec le 1600 t'arrives pas comme ça en fait, t'es obligé d'être un peu plus brutal pour réussir à le. Bon, je te regarde faire. J'ai pris 2 euros. Mais là aussi, quand tu prends deux roues, tu remets un coup de gaz, il reprend. Hein. Ce qui est surtout impressionnant avec cette échelle, c'est le. Tu vois, t'es devant la rampe. Et il part. Avec, en 1/8, tu lèves. Tu lèves tes roues avant, tu patines et tu pars pas comme il faut. Quoi. Juste mettre mon câble comme il faut dedans. Et tu vois là, quand t'as atterri le nez d'abord, la transmission, t'as vu, elle prend rien en fait. Tu tapes les roues et il pose, alors que quand t'arrives les 4 fers à plat, et tu sens que ça arrive beaucoup plus sec, quoi. Tu vois ? En plus, t'amortis mieux la chute sur un train après l'autre. Alors qu'on a tendance à croire qu'on sera mieux amorti avec... Avec les 4, ouais. Ouais, mais le choc est trop brutal quoi. Alors que là, quand tu atterris un train après l'autre, t'as vraiment le temps d'évacuer les énergies cinétiques en douceur quoi. C'est magnifique le virage. Hein. C'est des virages un peu soutenus. Ouais. Et si tu mets un coup de gaz sec au moment de décoller, il va monter et après tu dois. Joli. Un contrôle en douceur. Après t'es obligé de freiner pour est-ce qu'on va faire, regarde ça. Pour avoir un bon angle de vue, on va se simplifier la vie. On va se mettre deux comme ça. Et normalement si on se met là, on aura vu sur les. Ça va aller mieux.
si on a la perspective. Ah, j'aime bien quand il se pose. Pouf, pouf. C'est pas grave. C'est mieux qu'un violon. Parce qu'après nous aussi on vient de là en fait. On est en vol. Les longueurs qu'il prend, ça, avec rien. Après, l'erreur, ce que beaucoup font, c'est d'arriver avec énormément d'élan de loin. En fait, t'es déjà à fond quand t'arrives sur la rampe, donc en l'air, il peut rien rattraper, en fait. Ouais. Et après, tu vas te planter. Tu vois ? T'as plus de marge, en fait. Tu moulines, mais il se passe plus trop grand-chose. Là, je te voyais en dessous, là. Ouais, avec les grosses roues, t'as un peu plus d'inertie, tu vois. Les petites, ça mouline tout de suite, mais comme elle ballonne pas, ça lui donne rien, quoi. Tu vois. Yeah. Rattraper du chien. Entendu. Faut bien le baptiser, hein. C'est débile, tu arrives à rester à fond sur la ligne droite en haut. Bon, allez, en escalerie. On se suit tranquillou. Je te regarde faire, mais là c'est le mien. Bon, les chaussures de sécu, hein. Bon, c'est un peu raide. Ça c'est quand papy met pas ses lunettes. Ouais, vas-y. Là, tu vois, là, t'avais encore un peu de gaz à l'arrivée au sol, t'as vu, t'es reparti direct. Il y a la touche pour la retourner, c'est ça ? Ouais, mais j'ai jamais essayé. En 6S encore, ouais, mais après en 8, c'est quand même assez violent. Alors, moi, je préfère aller la chercher en général. Par des mètres la carreau. Ouais, ouais, c'est pas seulement la carreau, c'est comme tu mets un coup de plein gaz, t'as les pneus qui... Bon là ça va, ils sont neufs, ils sont secs, ils sont propres dedans. Mais c'est vrai que si t'as maintenant un peu déjà d'eau et de boue dans les pneus,
T'as vite fait de la rectifier. En plus, ça met un coup de frein sec pour la redresser après. Ouais, c'est pas très... Bon, maintenant, avec le différentiel central, en plus, ça lui fera moins qu'avant la version 6S qui n'avait pas de diff. Quoi. C'est vrai qu'avec les 1/8, je le fais aussi, mais t'as un rapport poids-puissance qui est différent quand même. Quand même plus de puissance pour moins de poids. Alors. Quand j'étais petit, jamais on aurait rêvé de pouvoir passer d'un terrain comme ça qu'une RC. Sauf en crawler. Ben là, c'est partout un peu raide. Là, ils ont mis des coups de pelle. Là. Parce que là, on arrivait bien. Ben, il y va, hein. Il y va. C'est débile, le truc qui monte à la verticale. À un moment, on arrivait bien à faire des flips. Ah oui. C'est long. L'autre truc débile aussi, c'est qu'il arrive à descendre. Ah ouais. Là, regarde. Pas fait. Il descend bien sans trop se retenir. Ouais, bah en fait, après, quand dès que tu vois que les fesses lèvent, pareil, pour mettre un petit coup d'axel, quoi. Tu vois, là, fallait mettre un tout petit peu avant le coup d'axel pour. Ouais. T'as la suspension arrière qui se comprime un coup, du coup, ça lui permet de. Ouais. Ça, c'est l'avantage, l'anthrax après, dans cette échelle, quoi. Pardon, je te caillasse ta nouvelle carreau. Cargas remplace Cargas. Ah, je connais un qui allait se poser. Moi aussi. Ah, Steve, il a racheté un soumite, hein. Il a craqué, il m'a envoyé un message hier soir. Il a repris un Summit Black édition. Il avait déjà un deuxième Xmax. Ouais, mais là il a pris un deuxième Summit. Il a dit, tiens, le gâteau était trop démonté et trop machin, et il préfère partir sur une base fraîche. Alors il faudrait que j'envoie les liens de 2-3 pièces qu'il faut monter dessus pour être tranquille, pour faire ce qu'il fait avec le Summit. Pire, hein. Oh. Alors que là, comme j'ai les suspensions au plus bas, c'est pas évident. Mais tu vois, malgré le diff central, hein, il passe. Hein, là, il passe tranquille. Hein. Ouais, tu étais. Tu étais, mais c'est pas ça. Ouais. Ah, une fois que tu t'es enterré, ouais, c'est. Tu jetteras un coup d'œil, t'as déjà jeté un coup d'œil au Xmax Team Forum? Ou pas? Au Team Xmax. Il y a Xmax Team Forum. J'ai mis l'adresse sur le côté, mais. C'est pas rien. Bah, j'aurais dit que justement, il y aura peut-être deux petits nouveaux Belges, rien, il y a 2-3 Belges, je dis rien! C'est Xmax, ils sont pas trop loin, mais il est à Mons. Ah, alors, Steve a dit, ouais, ça a 1h30 de route, quoi. Et du coup, il a trouvé un autre qui est dans le coin chez lui aussi. Bon, là, tu vas en douceur, hein, parce que je suis derrière toi. Oui, c'est pour ça que j'ai fait une petite part. Ça, c'est l'autre truc que j'aime bien, ça, tu vois, c'est... Tu peux casser les morceaux. Le bulldozer. Voilà. Le bulldozer de ma génération. Oui, c'est la troisième méthode, quoi. C'est infernal où ça passe. Ouais, ça, mais il faut que je vienne avec le Summit, là, si j'ai le temps aujourd'hui, pour faire la... Pour montrer la différence quand même avec le. Un 8e, même qui est prévu pour grimper. Parce que
T'as une motricité avec ce machin que t'as pas avec un 8 quoi, genre tu peux faire comme tu veux, c'est... Après pour 10 kg, il faudrait 10S moi je dis. Ouais. Moi je vois bien un moteur de la même taille, tu vois, 800 kV avec 10 ou 12S. Hein, pour se retrouver au poids puissance du Erebo. Ah, c'est vraiment... C'est méfiant. T'as un doute quand je conduis. Comment ça, non? Prochain fois, il va venir avec les lunettes anti-projection, le casque lourd. C'est mal positionné. Et c'est pas parce qu'on n'est pas dedans qu'il faut pas de casque. Ici, on est bien où? Ouais, fais gaffe, hein, parce que c'est mou quand même. Joli, joli, joli. Tu viens de fendre mon pare-brise, je t'ai vu. Bon, je vais faire le mur. Je vais m'approcher un peu pour voir où je roule quand même. Mais ça dépend après que s'ils ont... Il y a... Alors c'est plus loupé. Mètres. Hein? Plus de mètres aussi. Ouais, ouais. Mais ce qui est bien, une fois que tu l'as en main, t'arrives à faire des... Enfin, que, la dernière fois j'avais le 1/8, c'est que après t'arrives à faire des figures sur le mur. Tu fais des transferts, tu reviens, tu fais un flip, tu retombes sur les roues. Tu redescends marche arrière. Bon là où c'est moins haut, il passe, c'est sûr. Bon là-bas je monte... Après l'autre fois, j'avais, je sais pas si, j'avais pas ces pneus l'autre fois. Hein. Tu vois? Faut lui laisser un peu. Si t'as, c'est comme en avion, si t'as assez de temps de vol, t'as le temps de rétablir l'assiette. C'est assez haut. Tu vois, et après tu peux descendre partout. Et l'autre défi, c'est de réussir à décoller là pour arriver sur la grosse butte. Loupé. Je suis loin. J'ai les batteries qui faiblissent quand même. Après, c'est ça, tu vois. T'es jamais tout le temps à fond avec ton X-Max. Ouais. C'est sûr, dans une prairie, là... Tu t'ennuies et puis tes batteries sont fumées à moins de... C'est sûr que les gens qui roulent dans la ville de New York... Attention, je vais redescendre. Toujours mieux que ce qu'on croit. Tant que tu perds pas le train arrière, c'est bon. C'est étonnant. C'est aussi étonnant que le crawler sur certains. Ouais, ouais, ouais. Un crawler, des fois, j'ai vu des vidéos là, tu te demandes, tu te dis, c'est. Il y a un problème avec la loi de la gravité, des fois. À ne pas faire son arceau RC Garage 68. Tu vois, carreau pas décroché, et puis tu te retournes tranquillement. Parce que sans l'arceau, en fait, la carrosserie va s'écrabouiller. Ouais. Et du coup, tu peux pas faire ton roulé-boulé, quoi. Ah, j'ai oublié le coup de gaz.
Il faut absolument que j'emmène la pelle pour faire 2-3 2-3 arrondis. On est bien au soleil là. Toujours en place, toujours vivant. Voilà, la première carreau aussi, là, j'ai fait. J'étais soigneux. Là. Ça là aussi, comme c'est moi qui ai fait la peinture, au début, j'y suis allé vraiment au moulon. Moi aussi, t'enlèves toujours. C'est pas grave, ça. Voir où on en est. Et tu vois, niveau température, après, t'es tranquille aussi, quoi, comme t'es pas toujours en train de mouliner comme un, ouais, comme un sauvage, en fait. Bah, je laisse les doigts tranquilles dessus, hein. on est peut-être à 40 degrés sur le moulin, pas plus. C'est loin, t'as même pas la sensation de chaud, en fait. On le met dessus, je te dirai rien. Voilà. Ah, ouais, faut voir. C'est quoi, ouais. Voilà. Tranquille, toi. Si tu laisses le doigt fond dessus, tiens, il est encore plus froid que le mien. Ah oui, le mien, il est... Ah ouais, sans, il est même pas... Oh non, t'as rien du tout, là. C'est ça en fait, comme t'es pas toujours en train de... En fond. C'est sûr, si tu cherches, tu cherches, tu cherches, en 10 minutes il est chaud, hein. Mm-hmm. Mais si on peut aller voir, j'ai les beepers avec, comme ça on peut vite voir, ouais. Tu vois ce qu'elle dit, la batterie. Ouais, pour le... Ouais, ça aussi, ouais. Ça, vite, hein, ça fait un moment qu'on roule, hein. Ouais, 7h51. Ouais. On va ranger doucement. Ouais, donc ça fait quoi, 40 minutes qu'on est en train de rouler, quoi. Ouais. Je dois l'enlever. Tu vois, quand la version 6S avec des accus de 8000 mAh dans un champ, quand tu roulais à fond, en 17 minutes, c'était rectifié. Et c'était chaud bouillant. Si tu t'arrêtais pas pour le jus, tu t'arrêtais pour la température. Ah, il y en a un que j'ai pas essayé. Voilà, j'ai plus beaucoup de jus. Donc. Moi, j'ai ça, c'est des Fluréon 5000, tu vois, 35C, c'est pas des super batteries, hein. Oh, même sans batterie, pas sûr. Mais j'étais à fond. Ça va, là, il est pas trop dégueu, hein, c'est bon. Voilà. Et après, j'ai mis les housses, en fait, je les mets seulement vraiment quand il y a de la gadoue. Sinon, je préfère laisser passer l'air. Parce que mine de rien, les housses, là, ça retient pas mal d'air. Ouais.